Bonjour, bonjour. Donc, j'ai jugé nécessaire de faire cette vidéo maintenant. Ok? Je vais faire ce qu'elle veut manger. Donc, je pense que ce que j'ai à dire ne va pas attendre. Je vais vous expliquer comment la spiritualité fonctionne. Beaucoup de personnes se disent que parce que je suis spirituel, j'aime Dieu. Un jour, Dieu va me défendre. Bonsoir mes sorcières et mes sorciers. Non, l'avocat est très bon pour la santé. Non, j'aime Dieu. Un jour, Dieu va me défendre. C'est Dieu qui... Vous voyez que le genre de personne qui fait toujours la triste bizarre. Je laisse toi, Dieu. Écoutez, Indira a l'argent. Hein. En chantant, quand Indira a chanté, elle a l'argent. Je vous dis. Mon papa fait le club santé avec une petite fille qui a ses dos. Pour savoir que vous êtes les seuls qui sont pauvres. Ce qui me dérange chez vous, qui m'embête, c'est que vous pensez que quand on est spirituel, on doit être pauvre. Tu ne peux pas être une femme de ton état ou un homme de ton état. Tu es spirituel. L'autre parle, tu parles à l'autre, tu commandes le ciel, tu commandes ceci. Tu es là, tu n'as pas l'argent pour payer le taxi. Tu es là pour manger. On se moque de toi tous les jours. Apprenez à dissocier les choses de votre vie. Apprenez. Je peux être spirituel et je suis riche. Arrêtez votre comme vous avez dans l'église là. Tu sais, c'est le temps de Dieu. Le temps, Dieu n'attend que toi. J'ai horreur des gens qui sont pauvres. Ça m'énerve. Rien ne m'énerve comme ça. Parce que j'ai fait la pauvreté longtemps. J'ai passé au moins 8 ans de pauvreté en étant spirituel. Gars, ça faisait mal. Ça faisait mal. Peut-être que Dieu n'enverra pas un ange. Lancer l'argent sous ton oreiller. Peut-être qu'il t'a donné 5 idées. 5. Fabrique les bracelets, tu vends. Voilà la banane, va la banane. Papa, la nourriture, tu peux vendre. Lève-toi 4 heures, tu peux vendre la nourriture. Donc voilà. J'attends d'avoir l'argent des. Vous n'êtes pas fatigué de se dépendre des gens? Arrive à un niveau où tu es fatigué de la pauvreté. La pauvreté vient, tu dis que pauvreté, you and me, on ne se connaît pas. Dieu a dit que je bénirai les œuvres de tes mains. Tu fais quoi avec tes mains? Tu manques de ceci, tu manques de cela. Quand il faut acheter quelque chose, tu te attends. Voilà la rentrée scolaire. Voilà la rentrée qui arrive. Tu vas aller supplier le père de tes enfants. On vous marche dessus parce que vous-même vous avez permis. Il y a des choses que. On ne sait pas qu'on t'a attaché. On n'a rien fait. On n'a pas pratiqué sur toi. C'est toi-même qui veux. Moi, je vous dis ça cache. On sent que ta soeur se moque de toi tous les jours. Parce qu'elle sait qu'elle a l'argent. Elle sort, elle ne peut pas travailler. Tu es chez elle, tu fais quoi? Tu
chez elle. En 2 ans, tu as été chez 5 personnes. Ne vous inquiétez pas les maîtres, on va vous bloquer. On va toujours vous bloquer. Voilà, rentrez. Tu accouches les enfants, quelqu'un d'autre vient payer pour leur pension. C'est pas la folie. Pourquoi tu oses me contacter? Tu me contactes pourquoi? Tu accouches, je m'occupe si elle veut, si elle veut pas, je laisse. Vous êtes paresseux. Vous avez un esprit de... Est-ce que vous savez que même vos parents n'ont pas le devoir de s'occuper de vous? Ton père ne te doit rien. Tu as la chance que ta mère t'a porté, t'a pas avorté, tu es né. Arrêtez, enlevez ça de votre tête. Tu rencontres une femme, un homme, la personne ne te doit rien. Même moi que vous voyez, je ne vous dois rien. C'est une place. J'ai arrêté. Récemment, j'ai une femme. Elle vient. Elle me suit depuis. Je lui dis qu'on peut travailler ensemble. Elle dit d'accord. Oh, je vais quitter mon mari. Oh, mon mari a fait comme ça. Mon mari. Parle mal de lui, il n'y a pas de problème. Je t'attends ici. Elle porte ses pieds, elle vient. Je la loge pendant quelques jours. Donc, tu ne payes pas le logement. Lève-toi ce matin, tu viens, tu apprends dans mon entreprise comment ça fonctionne. Et je vois le poste que peut, là où il peut te mettre aussi, tu produis quelque chose. Et je dis à tous mes employés, tu ne me produis pas l'argent, je ne vais pas te garder. Si tu es quelque part, tu vois que ton poste ne me donne pas 100 000, ne crois pas que je vais te donner. Tu dois me produire au moins le 3 fois plus que ce que je te donne. Écoute, si ce n'est pas le cas, hein, bye. Elle est restée 2 semaines. 2 semaines là-bas, madame reste. Ouais, quoi, quand elle va arriver dans mon entreprise, il va seulement que la prendre, fait que je ne connais pas où. Elle va en fait que lui dit que travaille. Fais ça, fais ça, fais ça. Oh, oh. Oh, yeah. Un jour là-bas, madame me dit que, gars, tu sais quoi, on m'appelle du genre, son enfant est malade. Elle est partie. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 1 mois et demi. Elle n'est plus jamais revenue. Jamais. Toi qui dis que tu postules, c'est sûr que tu postules en ligne, non? Tu crois qu'elle est venue voir ton message, t'appeler? Vous ne connaissez pas chez l'agent, hein? Vous ne connaissez pas chez l'agent. Il dit que toi, voilà le nombre d'enfants que tu disais. Tu as tellement mal parlé de ton mari. Ok. Tu crois que j'allais te prendre sous ma main? Que viens, mamie, fais comme ça. Là, tu t'assois, je te nourris. Je nourris tes enfants. Écoutez, hein, quittez sur la honte. Quittez sur la honte. S'il le faut, allez, fais 5 boulots. Tu es la première femme qui reste avec les enfants seuls. Tu es la première femme qui n'a pas d'argent. Arrêtez de le faire comme si votre cas est tellement... Je ne veux même plus vous aider. Je ne veux plus. Tu ne peux pas écouter mes vidéos. Tu laisses. Même quand tu écoutes, tu vas mettre ton propre crédit dans ton téléphone pour m'écouter. Tu ne veux pas. Tu laisses. Tu pars. Va devenir pauvre. Vous aimez la pauvreté. Va devenir pauvre. Tu sais, tu vas être la première personne qui sera pauvre ici. Hein? On t'a habitué que c'est l'homme qui va tout faire. Tu t'assois à la maison. Tu ne veux rien faire. Te voilà chez ta soeur. C'est ta soeur qui fait tout dans ta vie. Tu n'as même pas honte. Elle est ta grande soeur de 2 ans ou elle est ta petite soeur d'1 an. Mince. Sauf à quoi? Jesus.
je suis seulement ta petite soeur ou ta grande soeur de 1 an ou 2 ans. Et que tu connais entre toi et moi, il y a 1 an ou 2 ans. Ça veut dire que, supposons que je te dépasse de 2 ans. Et que tu continues à te rire, mais tu crois que dans 2 ans, tu seras là où je suis. Hein? Je ne vous demande pas d'aller évangéliser. J'étais dans des églises comme ça, non? Quand le pasteur te voit évangéliser, il dit, c'est bien ça, ma fille. God is going to be with you. J'ai fait ça, j'ai fait. Pendant que j'évangélisais comme ça, là. Je rentre le soir, mon frigo est vide. J'achète des spaghettis de 1 pain ou 2 pains. Par jour, je mangeais 3 pains avec ma fille. J'arrive à l'église, les gens viennent, oh, praise the Lord. I just had a brand new car. Praise the Lord. Promotion. Now I have £5,000 a month. Donc c'est moi qui suis les judges du cycle. Donc c'est moi qui suis bête. Il y avait 2 habits. Je vous parle souvent de cette période de ma vie. Il y avait 2 habits. On connaît que si elle n'est pas habillée avec l'ensemble noir, c'est qu'elle a le col. J'avais un col vert là. Il n'y a pas noir, c'est vert. 2 paires de chaussures. En 6 mois. Le jour où ça a décliqué dans ma tête, clic. Je n'avais même pas l'argent pour le bus pour venir à l'église. Il y a quelque chose que je ne comprends pas quelque part. J'ai commencé à vendre des choses. Faire du Airbnb. Faire les beignets, aller vendre. Faire ceci. Qu'est-ce que je n'ai pas encore vendu? Pour moi, tant que je respire, tout ce qui bouge, je tire. Je ne vous parle même pas des produits ces derniers jours, non. Quand il m'assoit pour vendre mes produits, il y a le kit déblocage. Il y a le kit ceci, le kit fondation. Ça enlève ça coupe les mauvais esprits sur vous. Ouais. Ouais. Allez sur YouTube, vous cherchez les tutoriels, s'il vous plaît. Je peux pas vous dire le nombre de choses qui sont réalisées sur YouTube. J'ai fait. Je suis venu vous vendre. Vous avez acheté. Vous me comprenez? Je suis parti sur YouTube. J'ai vu quelque chose. Si quelqu'un dit que le piment trop gêneur, écoute, à une époque, je me disais, oh, je n'ai pas fait le piment. Toute femme qui sort avec un homme pour son argent, tu fais le piment. Là, on voit. Tu fais le piment, ma chérie. C'est moi que certains ont officialisé, ils ont mis l'étiquette, tout ça. D'autres n'ont pas mis l'étiquette. Et moi, je suis associé avec quelqu'un qui a plus d'argent que moi. Je suis associé avec quelqu'un pour les papiers. Je suis associé avec quelqu'un pour son argent. C'est moi que je n'étais pas dans la vitrine, nu, comme ça là. En passant, on me regardait. Mais quand j'ai compris qu'avant que quelqu'un prenne son papier précieux, il me donne, il va me faire du chantage. C'est la nature humaine. N'en voulez pas à ces gens. Ça peut être même ta soeur. Elle m'en va se fatiguer. D'accord, je comprends. Il t'avait quitté. Toi, attends. Tu n'avais pas d'économie? D'accord, tu n'avais pas d'économie. Chose d'abord que tu ne devrais pas faire. Donc, tu peux me dire que si aujourd'hui tu es handicapé, tu tombes là, bam, on dit que tes pieds ne marchent plus. Donc, tu n'auras plus l'argent. Rien. Arrêtez. Vous fatiguez les gens qui s'occupent de vous. Vous les fatiguez. Vous les fatiguez. La personne aussi est fatiguée. Que c'est quoi ça? Tous les jours. Chaque temps. Toi-même, tu n'as pas honte quand tu viens demander l'argent.
Non, sérieux. Tu n'as pas honte. Tu te sens pas mal? Je vous parle avec tout l'amour que j'ai pour vous. Quittez la scène avant que la scène ne vous quitte. Tu vas acheter le débloqué de déblocage. Tu achètes à doigt là. Oh, il y a un numéro de téléphone là-bas. Quittez la scène avant que la scène ne vous quitte. Ta soeur te dit non, reste chez moi. C'est bon, ma chérie. Tu m'as hébergé 2 jours. Je n'ai pas dit 2 ans. Oh. 2 jours. C'est bon, merci, je te remercie. Ça va aller. Vous savez pas que certaines personnes qui vous ont chassé de leur maison vous ont fait du bien. Ils vous ont aimé. Mais tata, je croyais que tu allais me prendre chez toi. Tata dit ça. Mirabel, voilà le numéro en haut là-bas. 00237 680 71 0701. Dans toutes les vidéos, je ne l'ai pas mis sur la vidéo aussi. Dans toutes les vidéos, tu as le numéro en haut. On va regarder ma chérie. Tu as compris? Il y a le kit de fondation. Vous dites avec vos fondations maléfiques là. 00237 680 71 0701. La personne te met dehors. Tu sais ce que tu fais. J'étais sans abri au Cameroun 3 fois. Est-ce qu'on chasse quelqu'un de la maison? Niembe. Je crois que tu étais sage. Je te respectais. J'avais du respect pour toi. Tu fais d'abord dans la maison de la personne. Est-ce que tu es son enfant en dessous de 18 ans? Hein? Les 3 fois étaient sans abri. Vous savez ce qu'il fait? Il dormait dans ma voiture. Quand il n'avait plus la voiture, je suis parti, j'ai cherché une petite chambre. Je me suis dit, si elle doit payer la chambre à 25 000 le mois, si je sors aujourd'hui, 1-2 jours, il va trouver 50 000 pour payer la chambre aussi. Dis-toi souvent que c'est comme si on t'avait dit, le docteur t'a dit à l'hôpital que si tu n'as pas 100 000, 200 000, c'est que tu vas mourir. Tu vas sortir même les passants, tu vas les supplier. Que pardon. Et le meilleur moyen pour que quelqu'un te donne l'argent, viens avec un produit devant la personne. Tu as peut-être une tata, tata, je vois que tu travailles dans ton bureau, tu n'as pas le temps d'aller faire ton marché. Tata, je te propose. Je peux venir en 2 jours, je refais ta garde-robe, tata. Arrêtez de voir que vous allez seulement demander. Proposer le service à la personne. Le service, quand quelqu'un voit que tu l'allèges, tu le soulages. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu reviens. Tu l'as aidé à faire le shopping de, je ne sais pas, de ça. Tu peux même te lancer au Cameroun. Au Cameroun. Il y a les femmes qui travaillent tellement, elles sont dans les bureaux, qu'elles n'ont pas le temps d'aller faire le shopping dans les magasins pour la nourriture de la maison. À soi, toi, tu prends les formats. On achète les formats au Cameroun à 10 francs. Ou 25, 25, ça dépend. Tu divises comme ça. Tu vas faire 7 ou 8 petits morceaux de papier. Je peux faire vos courses pour vous. Voilà mon numéro de téléphone. Tu découpes. Tu passes dans toutes les maisons de ton quartier, tu déposes. Makepe Bonamou Sadi, Denver. Je pars à Carrefour, tout ça. Je fais les courses pour vous. Je porte en fonction de votre, de ce que vous aimez. Et d'ailleurs, pour commencer, madame, je viens, je veux voir vos envies. Quels sont les menus qu'on fait généralement à la maison? Je collabore avec votre ménagère. Parce qu'il y a des femmes que les ménagères sont toctons. C'est comme si les ménagères. Je suis désolée. C'est comme si les ménagères ne réfléchissent pas bien. Hein? Tu calcules quand il y a les réunions. Tu vois, il y a beaucoup de voitures qui arrivent quelque part. Tu pars là-bas, tu mets sur les voitures, tu les pas brises. Écoutez, hein? Quittez là-bas, mouf. Pauvre que vous êtes. Mouf.
la pauvreté. Allez souffrir. On se moquait de vous. Il n'est pas l'argent. Il ne connaît personne. Il n'est pas d'outils. Je viens de vous donner une idée qui ne prend 0 francs. Si tu lances dans la 50 maisons ou 500 maisons, tu as au moins 3 femmes qui vont te contacter d'abord. Parce qu'il y a les gens qui ont l'argent, mais qui connaissent Rongo. Ils peuvent reconnaître l'initiative. Bonjour et bienvenue, Karine. Que je vois une jeune fille. Ça, c'est bien. Elle est audacieuse. J'aime ça. Seulement pour ton audace, elle va t'appeler. Elle va t'appeler. Elle te voit, tu viens. Tu es bien habillé, tu es propre. Lave bien ton habit le jour-là. Même si c'est le t-shirt que tu as acheté à 500 au marché. Tu prends ton petit parfum de 2500, tu mets sur toi, ça sent bon. Tu arrives, tu as un petit cahier de 32 pages que tu as acheté. Oui, madame, bonjour. Elle voit que quand elle te parle comme ça, tu as sorti ton cahier, tu veux prendre les notes. Tu es sérieuse. Moi, faut quitter là-bas. Je ne peux pas être pauvre. Hein. Je ne peux jamais être pauvre. Moi là. Vous fermez ici et pas là-bas. Vous fermez là-bas et pas ici. Vous fermez. Je dis, ouais. Donc, comme on est spirituel là. Et Dieu vous donne les idées tous les jours. Être spirituel, c'est quoi? Ça veut dire que je suis connecté à la puissance qui a créé les mondes. L'immeuble que tu vois en face de ta maison là. Tous les immeubles que tu vois là. Ça veut dire que tu peux recevoir les meilleures idées. Ce qui va passer. Tu peux saisir ça avant tout le monde. Pas pour dire que Jésus t'aime. Viens à l'église dimanche. On voit toi-même, tu es piéton. Tu m'invites à l'église. Tu vas me donner quoi là-bas? Ouais? Fuyez la honte. Moi, je vous dis seulement. Fuyez la honte. La honte n'est pas bien. J'étais ancré dans la peau. Je t'aime trop, ça devient illicite. Bébé, dis-moi. Entends-tu ce que te dit mon cœur, bébé, dis-moi. La pauvreté n'est pas bien, ma chérie, bébé, dis-moi. Je vous ai dit que vous devez avoir, dans votre journée, vous devez avoir 3 shifts. Le chiffre du matin qui commence à 4h30. 4h30, 8h, tu es en train de faire quelque chose. Généralement, l'autre là, ce n'est pas, il n'y a pas un patron sur ça. C'est toi-même. C'est toi-même. C'est ce que tu crées. Et en créant, tu es en train d'écouter ton livre audio. Le livre audio va te donner la vision. Oui, oui, oui. Laissez-moi les bon appétit là. Je suis en train de vous parler d'argent, vous me regardez ma nourriture. Laissez les bon appétit, laissez la courtoisie, allez chercher l'argent. Je veux mettre la rage dans votre cœur. Que tu te lèves aussi, tu dis que c'est bon. Regarde ma nourriture, tu es comme ça, tu es. D'où là? T'as qu'à non? De toute façon, les gens ne sont pas honnêtes avec vous. Hein. On n'est pas honnêtes avec vous, on vous caresse dans le sens du poil. Avec tout l'amour que j'ai pour vous, je vous parle comme je vous parle. 8h, tu pars dans notre boulot. Tu finis là-bas à 17h, 19h. Tu rentres à la maison, tu commences ton dernier shift à 20h30, 21h. Ça, c'est pour finir à minuit. Tu dors que tu dors quoi? Tu dors que tu dors quoi? Tu as déjà fait quoi dans ta vie parce que tu as redormi?
Ah, tu sais, je me reposais. Dès que tu as atterri à la maison à 18h, tu fermes la coiffure. Tu as deux clients que tu vas coiffer ce soir. Tu prends tes enfants de 10, 13 ans là, tu leur apprends comment finir les bouts des mèches. Tu piques, pop, 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 ou tu apprends ta fille à faire le derrière. Tu fais, ouais, Seigneur, Seigneur, Seigneur! Vous ne réfléchissez pas? Ma fille elle a vu tellement de moyens de se faire de l'argent parce qu'elle m'a vu faire beaucoup de choses. Et quand elle fait la main à côté, je dis que fais l'autre là, il fait ceci. Je découvre, je fais free. Elle l'emballe, elle met les étiquettes sur ça. Je pars la déposer à l'école pendant qu'elle n'est pas livrée. Vos enfants sont seulement là pour voir la télé. Étiquettes sur les beignets que je faisais pour aller vendre. 5 ans. Quand elle me levait à 4h30, elle était tellement sensible que 4h30, même si elle se réveillait avec moi, je dis que non, attends 5h30, quand ça va refroidir. C'est là que je te lève maintenant. Tu me dis, mets 3, non, je monte 1, 2, 3. Elle prend 3, elle met dans le truc. Elle prend 3, elle met dans les plastiques. Elle met des plastiques. Elle aligne sur la table. Pendant qu'elle fait nettoyer, je suis en train de nettoyer en haut. Je finis de nettoyer la chambre. C'est ok. Dès qu'elle finit comme ça, là, je reviens, je scelle. Je scelle, elle met les étiquettes dessus. Après ça, pape, on va la laver. Utilisez ce que vous avez à votre disposition. J'ai dit que votre journée est repartie en 3. Tu as le chiffre du matin. Produis quelque chose le matin à sortir de ta maison. Même si tu m'écoutes, tu as à Missoké, au Cameroun. Prends, tu vas donner au boutiquier. Boutiquier, ça donne 5 000 par jour. Tu as 2 000, j'ai 3 000. Parce que moi, j'achète le produit. Tu me donnes seulement le local et tu vends pour moi. C'est ce qu'on appelle revenu passif. Après, tu vas moi, tu vas multiplier par mettre maintenant 10 boutiques à Douala. Tu peux en ligne, tu regardes les recettes. Il y a les gâteaux, il y a les beignets. Il y a beaucoup de choses en ligne. Il y a des choses qui ne périssent pas vite. Te voilà. J'attends que ma soeur me donne le fonds de commerce. Gna, gna, gna. Non, tu crois que ta soeur va laisser ce qu'elle a à faire? Elle va porter ses 500 000 te donner. Il y a des crises que je ne vois pas dans ta tête. Tu es folle. Tu es folle. Sortez de ce truc de rêve-là. Je ne sais, tu sais même pas pourquoi vous sortez ça. Personne ne va venir te financer. Ce n'est pas l'espace, ce n'est pas le local. Pousse ton lit. Travaille dans la chambre qui est là-bas. L'autre chambre, si tu dors, c'est avec les enfants. Non, je veux d'abord louer un local. Si je n'ai pas le local de 200 000 le mois, je ne peux pas commencer, hein, tu sais. Oh my God, que tu es bête. You are so silly. Ah, tu vois même quelqu'un qui a une cour qui l'a. Ok, papa, je vois que tu as la cour là-bas. Donne-moi ça à 10 000 le mois, papa. Donne-moi ça même compte là-bas. Pour commencer, j'ai 30 000 sur moi. 10 000 me paient le loyer du premier mois. Si j'expose mes choses ici-là, 30 jours, j'aurai sûrement au moins 4 fois 10 000 pour payer le prochain mois. Et quand tu sors pour vendre tes choses, fais comme si ta vie en dépendait. Ah non, je dois m'arranger d'abord. Même si je dois d'abord mettre la brésilienne. Mouf! Hein? Vous me regardez mes vidéos, vous ne me voyez pas ma tête. Je m'en fous. Je ne peux pas vous dire combien je gagne par jour. Je suis dans le pointage. Point à la ligne. Non, je dois d'abord mettre le make-up. Avant qu'elle fasse mes vidéos, il faut d'abord que mes cheveux, tu vois. Je dois d'abord trouver le make-up. Et tu vois, le make-up va coûter 30 000. Je dois acheter le fond de teint MAC avec Fenty. Avec
Voilà ce qui vous tue. Voilà ce qui vous tue. Cut to the cheese. Allez droit au but. Allez droit au but. Prends le t-shirt qu'il y a dans ton armoire. Tu laves, tu avec le pax de 5 ans. Il y a une façon de sécher, de cela on peut le faire repasser, ça va paraître comme si elle avait repassé. Tu portes ça demain. J'ai là proposé aux femmes de venir prendre mes produits pour aller vendre. Personne n'est venu. Venez prendre mes produits, vous sautez à dollars pour aller vendre. Même si tu vends 10 selles par jour, tu ne peux pas manquer tes 5000 francs. La reine, ouais. C'est quoi votre problème? What is your problem? La pauvreté, vous n'avez pas encore compris. À chaque niveau de business, tu apprends quelque chose. Chaque niveau, every level. Et quelqu'un qui va te voir, même si tu n'as pas le fonds de commerce, elle voit, la personne vient. Oh, elle, que tu ne peux pas dans ta chambre, que tu paies à 15 000 le mois. La personne va voir comment tu as soigné le plat là. Tu as bien attaché. Quand tu arrives, la personne voit ta présentation physique. Est-ce que tu es bon? Tu es le rendez-vous. Oui, tonton, tu passes dans les bureaux au Cameroun. Les hommes d'affaires qui n'ont pas la nourriture au bureau à 12 heures sont nombreux comme ça. Tu arrives, tu l'appelles tonton parce qu'on n'est pas dans la drague. Ne me drague pas, je suis en train de chercher mon argent. Il peut te voir et dire que je vais te sortir de là. Laisse-moi tes choses là. Ne cherche pas le raccourci. Bonjour, tonton. Voilà, je vois que je peux te proposer la nourriture. Je prépare bien, tu sais, ta tonton. Donc, demain, je t'apporte un truc gratuitement. Tu goûtes d'abord. Tu ne peux pas lui préparer un bon repas. Tu viens, tu donnes gratuitement. Il te donne une somme, même 5 000 pour te dire qu'il te lance. Parce que beaucoup de personnes qui ont commencé, même quand ils voient quelqu'un qui veut s'en sortir, ça leur fait plaisir. Qu'on veut motiver la fille ici. Je veux la motiver. Et la fidélité, soyez fidèle. Soyez fidèle. On t'appelle demain. Je devais aller au deuil au village. Tu sais, tu as dépensé combien pour partir? Agent d'aller, 5 000. Agent retour, 5 000. Sur place au village, le transport, gna gna gna, non. Tu te retrouves à 15 000 de dépenses le week-end. Et quand tu sais que les 15 000 là, tu peux prendre ça, tu injectes dans. Ouais, Seigneur. Les trois premières années de mon business, je n'achetais rien pour moi. Et j'ai toujours commencé mes business à base de rien. 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 Tu as le téléphone. Je m'ai dit d'avoir commencé, j'avais Facebook. Je me suis dit, mais attends, j'ai Facebook, non? Je passe sur YouTube, j'écoute les livres. Je viens sur Facebook, je traduis les livres en anglais. Je viens ici là vous donner ça en français. Allez regarder mes premières vidéos de 2017. Après, les gens commencent à me dire, oui, aide-moi encore un peu pour pouvoir manger. Voilà, le téléphone. Voilà ça. Et TikTok, si vous saviez comment TikTok. Oh, TikTok. TikTok, c'est la mine d'or. Commence n'importe quel business. Je vends la nourriture emportée à Douala. Commence ta chaîne TikTok ce soir. Poste, tu mets les vidéos. Comment tu filmes les repas, quoi. Comme ça là. Commandez. Oh. Tu mets un hashtag Douala, hashtag repas. Hashtag, c'est le truc qui est comme. Je sais pas, hashtag. Ok? Hashtag. Hashtag, c'est hashtag. Quelqu'un met le hashtag ici là. Vous savez, ils vont voir ce que c'est. Tu mets hashtag Douala, hashtag repas emporté. Hashtag plantain frit. Hashtag ceci. Tu mets ton numéro de téléphone au salon. Tu fais des belles vidéos. Tu peux au marché, tu achètes un petit bout de la fausse verdure là. Tu vois le faux gazon. Tu passes ça peut-être à 1000 francs ou 2000 au marché. Toutes les femmes qui vendent les tapis pour couvrir les tables là, les nappes, pardon, je vais les tapis. Les nappes là. Tu parles de ce qui est la couleur verte. Tu avais un peu de truc vert sur ça. Parce que les repas, c'est vraiment le vert. Tu prends un petit bout comme ça, là, 1500. Tu déposes ça. Quand tu prépares la nourriture,
Voilà mon repas que je suis allé manger. Quand tu ne peux pas la nourriture, mais dessus tu filmes. Laissez WhatsApp, eh. TikTok, ah voilà, c'est dièse. En anglais, on dit hashtag, merci, dièse. Tu filmes comme ça là. Laissez WhatsApp, TikTok. Et quand tu te lèves, tu pars avec l'esprit pour faire le business. Tu ne cherches pas le dragueur. Tu n'es pas là pour bavarder. Straight to the point. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer la recette. Comment faire frire ses plantains sans qu'il y ait trop d'huile dedans. Tu pars d'abord sur YouTube, tu regardes comment quelqu'un fait. Ok. Tu reviens sur TikTok, tu fais comme tu es experte. Ok. Voilà, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ceci sans que l'huile ne dégouline. Ok. Ce n'est pas ta recette. Hein. Tu as seulement pris sur YouTube. On est dans l'ère de l'information. Vous avez suivi. Je vais vous lancer une formation à Douala. Pour lancer son business. On va mettre ça à Douala le 25. Le 25. Ouais. Le 25 août. Le 25, c'est maintenant combien de jours? On est le 30e. On est le 17, non? Donc, on va dire dans 6 jours. Toute personne qui veut participer, vous venez avec quelque chose que tu veux commercialiser. Si c'est que je n'ai que les avocats, j'ai le réseau pour trouver les avocats moins chers à Bouddha. Je vous en prie, ne souffrez plus. Vous devez avoir une stratégie d'argent. Une stratégie. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas payer ma dîme. Vous savez, moi, je suis une businesswoman. Quand je vous parle de ça, c'est que si vous avez plus d'argent, au lieu de me donner 2500 de dîmes, tu vas me donner maintenant 250 000. Qui profite? C'est moi, non? Mais entre-temps, tu profites aussi parce que ton argent a augmenté. Ouais. Ah, Seigneur, je suis trop intelligente. Je ne sais pas le 25, je ne sais pas à quel jour ça correspond. C'est sûrement un jeudi. Bon, on va mettre l'entrée à 10 000 francs. Parce qu'il ne peut pas faire pour 5 000. Sinon, vous allez me ramener n'importe quoi là-bas. Je ne veux pas. Je voudrais vous prendre au moins pendant 4 heures d'atelier. Et si vous avez de l'énergie et de téléphone, on peut aussi créer vos TikTok. Vous verrez des idées. Je veux que ce soit un truc pratique. Je veux que ce soit un truc pratique. Non, ce n'est pas dans 8 jours, je pense. Le 25, si on est le 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ça fait 8 jours, merci, Epiphanie. Non, dans 8 jours. Amenez-moi vos téléphones. Amenez-moi au moins 3 choses que vous pouvez commercialiser, que vous avez déjà en idée. Voilà. Donc, on va faire un atelier. Je vais vous faire prendre un atelier. Ceux qui sont à l'étranger aussi peuvent participer. Je limite jamais mes choses. Vous avez vu ça, que j'aime l'argent. Donc, et pas pour prendre seulement que c'est le Cameroun. Tu es à Libreville, tu es à Abidjan, n'importe où. Tu viens. Mm-hmm. Le problème quand il met comme ça là, c'est que les femmes qui vont venir ne sont pas. Je n'aime pas trop faire les trucs moins chers parce que quand il fait moins cher, vous ne mettez pas l'effort sur ça. Je n'aime pas. Mais le Seigneur me fait que me mettre à cœur, il faut que vous aide. Si j'ai besoin que je perde mon temps, tu parles à quelqu'un. Et dans mon bureau, il y a Internet. Donc, si vous avez Internet sur votre téléphone, je voudrais bien qu'on fasse une séance pratique. J'ai dit 4 heures de temps au moins. Je crois qu'on va peut-être faire un truc de 16h à 20h. 16, 17, 18, 19. 16h, 20h, 30. Comme ça, les gens peuvent quitter du boulot et viennent nous rejoindre le soir. Ouais. Bon. Mais n'attendez pas le jour là. Même déjà maintenant, vous pouvez commencer à faire quelque chose. Je voudrais aussi que ce soit un networking. C'est-à-dire, si tu as déjà un business que tu fais, viens avec ta carte de visite. J'aimerais bien vous donner un espace pour que vous présentez vos services.
Et vous montrer comment faire du marketing, comment parler de vos produits aux gens. Bon. Si tu as compris. Il y a les agendas. Il y a une jeune dame là qui fait les agendas. Aquaba Doll. Je vais voir si elle pourra être là pour parler de l'emploi de temps. Parce que vous ne savez pas aussi comment organiser vos emplois de temps. C'est ça mon problème avec vous. Je vous ai dit que vous avez trois chiffres dans la journée. Le matin, le milieu de journée. Tu vois, Epiphanie, vous voilà, non? Vous voilà. Epiphanie, tu vas comme ça me dire qu'en 8 jours, tu ne peux pas trouver 10 000. Qui tu m'en dirais? Qui tu m'en dirais? Je vais te bloquer. En te donnant 8 jours pour trouver 10 000, je ne peux pas. Ma chérie, je t'en prie, tu as été m'énerver même. Je n'ai pas senti la pauvreté en fait, ça me fait un genre dans le corps. On te dit que tu as 8 jours pour trouver 10 000, tu ne peux pas. Ma chérie, please, go. Please. Adassa, viens avec tes cartes de trucs de terrain le jour là. Viens avec ça. Hey, Massa. Arrêtez aussi, non. Hush. Si en 10 jours, tu ne peux pas trouver 10 000, c'est mort. Ça veut dire que par mois, tu ne fais pas 30 000. Ça veut dire que tu vis chez quelqu'un. Il peut vous analyser vite. Ça veut dire que quelqu'un s'occupe de toi. Sortez des maisons de vos frères et soeurs. Sortez. Sortez des maisons de vos parents. Sortez. Vous n'avez même pas de fierté. Mais c'est pas possible ça. Elle est même courageuse. Je sais que s'il y en a parmi vous, vous n'avez même pas au courage de commenter cela. Continuez. Une femme qui vend les tomates à Douala, elle a acheté au moins 3 de mes kits. Et elle, mes kits, c'est 50 000. Elle vend les tomates. Elle est venue acheter. Vous voilà. Hey. Maman. Au cas je. Hey. Et puis Fanny, moi, je te dis. Moi, je bloque les gens sur ma page. Tu es déjà à 70% bloqué. Je te dis. N'aime pas la pauvreté, la paresse. Quand ils te voient, c'est sûr que tu es paresseuse. Il n'y a rien à faire. Vous voulez vous perdre le temps aux gens. Je vais faire ça, mais je vais faire le VIP après. Pour le VIP, même ça à 50 000. Comme ça, les petits Niamangolo qui veulent te déranger, là, vous n'avez pas venu. Encocher ta soeur. Pauvre de vos soeurs. Tu vis avec un homme dans la maison. Vous êtes déjà séparés. Mais tu ne peux pas partir parce que tu n'as pas l'embout pour partir. Et ça fait il y a 6 mois. Ça ne te dérange pas. Hein? Chaque soir quand tu rentres à la maison, tu peux pas me la laisser. Maman. Il passe de toi, c'est insulte, tu es là. Pas de fierté. Pas d'honneur. Les gens savent qu'ils te malmènent n'importe comment, tu es là. Et il y a un moment dans votre vie où vous dites que si je dois retourner dans la maison là, avec les gens là, tu n'es pas resté en route. Tu ne vas pas rester en route 30 jours. Tu vas trouver une solution. La pauvreté n'est pas bien. Bon. Je ne vais pas manger. Bye bye.